Nouvelle révélation horrible dans l'affaire des deux enfants retrouvés dans un véhicule bâché à Quai Mbaye Fall. L'un des enfants, âgé de 4 ans, nommé Ibrahim Fall, a été retrouvé, la tête recouverte de sang, alors que le second, Issouf Dia, présentait une large blessure à la cuisse. Ibrahim Fall, retrouvé mort, avait les yeux crevés, son corps était en état de décomposition très avancé. Selon des sources de l'OBS, l'enfant décédé n'avait plus ses yeux, raconte un proche de la famille. Une déclaration qui a suscité la colère des populations qui se sont empris au propriétaire du véhicule. Quant à l'autre enfant blessé, Issouf Dia, il est toujours plongé dans le coma. Victime et témoin principal, il est soigné sous haute surveillance. Les enfants sont des cousins et conduisaient le drapeau appartenant au père de Ibrahim Dia, l'enfant retrouvé blessé. Paître dans les airs, situé non loin de leur maison au bord du lac qui traverse le Quai Mbaye Fall. Jeudi dernier, après le retour du troupeau, les deux enfants ont disparu.